Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 16 juin 2023. J'espère que vous avez passé une jolie journée hier et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. J'ai pigé la fuite. Alors la fuite, c'est un mécanisme de défense. On n'a pas envie d'affronter. On a un rejet. On rejette ce qui se passe. On fait un rejet, on rejette la situation et on part dans la fuite et c'est pas... Fuir n'est pas une solution, n'est-ce pas? La fuite, c'est le mécanisme de défense associé au rejet qui est la fuite. Vous voyez le rejet hein, dans les cinq... Oui, c'est les cinq... C'est une blessure émotionnelle hein, qui fait partie des cinq blessures émotionnelles. Donc, devant ce sentiment, eh bien, il peut arriver que l'on s'isole hein, dans des moments où le stress et l'anxiété émergent pour inconsciemment tenter de se protéger. Mais est-ce que ça vous protège réellement? Ça ne règle rien, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser divers stratagème hein, pour éviter un problème ou une situation qui est angoissante. Et bien souvent, elle conduit à se jeter à corps perdu dans une autre activité pour oublier ce qui ne va pas. Oui, pardon, c'est pas aussi non plus une solution, n'est-ce pas? Dans d'autres cas, eh bien, elle pousse au contraire à affronter. Voilà, à affronter le problème trop rapidement, sans même prendre le temps de réfléchir et de peser les différentes solutions possibles, ben pour tout simplement se débarrasser le plus vite possible de cette source d'angoisse. Elle peut aussi vous pousser à agir par anticipation. Voilà, ça aussi, c'est pas non plus salutaire de réagir au quart de tour, je pense qu'il est préférable de se poser hein, et de faire face posément. Alors, avez-vous tendance à vous protéger avec ce type de stratégie ou alors dans quelle situation et avec quelle personne? Donc, posez-vous la question. Si vous avez tendance à prendre ce type de stratégie, dans quelle situation et avec quelle personne? Eh bien, cette carte, elle vient vous proposer plusieurs suggestions. Au lieu de fuir, pourquoi pas choisir plutôt de vous sentir bien ancré au présent? Pourquoi pas vous amuser? Faites quelque chose qui vous procure du bien-être, qui vous fait vous sentir vivant, enjoué, relax, au lieu de ruminer ce qui est déjà passé et fuir dans des scénarios activés par le mental. Ruminer n'est pas une solution, n'est-ce pas? Cela ne veut aucunement dire de ne pas régler ses problèmes, de ne pas prendre position, mais d'éviter, eh bien, d'amplifier inutilement, générant ainsi des cycles de souffrance multipliés. Il n'est donc pas rare, hein, pour certaines personnes ayant tendance à la fuite, de s'inventer un monde imaginaire, donc de rester dans une bulle.
dans son monde. Et cette carte, elle vous invite, eh bien, aussi à en faire plutôt un jardin intérieur plein de profondeur en lien avec votre cœur et avec ceux des autres. Écoutez votre cœur. Ne fuyez pas, faites face avec positivement, pas dans le négatif, positivement, faites face à ce qui se passe, ce que vous êtes en train de vivre. Je me connecte à mon présent, j'affronte à travers des situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Je me connecte à mon présent et j'affronte à travers les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Alors je me connecte à mon présent et j'affronte. Je vais de l'avant. Et je traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Je ne fuis plus. Guérison de ces blessures, n'est-ce pas, émotionnelles, c'est un très très grand, un large chapitre. Mais on peut y arriver par le travail sur soi. C'est important, vous pouvez y arriver aussi par les mantras, hein, les méditations, revenir à soi et voilà. Et ça prend peut-être du temps, mais on peut y arriver si on le veut. Je termine avec le message des fées. La baguette magique, ben que tout cela s'opère, n'est-ce pas, que la magie s'opère. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, eh bien plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Bien voilà l'abondance, la baguette magique. Que la magie opère. Je vous souhaite une excellente journée, un tout beau week-end dans l'amour inconditionnel, la tolérance, la bienveillance, l'empathie, etc. Et puis, prenez soin de vous en douceur, n'est-ce pas? C'est important. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, moi, je vous embrasse. À tout bientôt.